tous les petits sushis qui vont nous regarder dès à présent. On se retrouve sur un let's play qu'on avait commencé il y a de ça quelques mois. On en a commencé d'autres entre deux, mais on a décidé d'en prendre un qui est Resident Evil 2 Révélation. Révélation 2. Oui, parce qu'en fait, sur les autres intros, je me suis planté. Mais c'est pas grave, j'avais mis Resident Evil 2 Révélation alors que c'est Révélation 2. Parce qu'il y a deux révélations. Oui. Ok. Ah, heureusement que tu suis toi aussi. Ouais. Non, bah pour moi ça sonnait bien, Resident Evil 2. Ouais. Bah pour moi aussi, c'est pour ça me paraissait logique de le marquer comme ça, mais non, c'est Resident Evil, Révélation, donc la série Révélation, et le 2. Donc, Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous corriger si jamais on se trompe dans les commentaires. Non. Voilà. J'ai la voix qui s'est usée là d'un coup. Bah t'as pas vu, moi j'ai lâché un petit rot avant. Non, bon c'est pas grave. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Alors, campagne. Continuez. Ah, on était déjà à l'épisode 2. C'est bien. Ouais, donc on faisait par chapitre, non? Non, on faisait, enfin, je sais même plus en fait. Je crois qu'on s'arrêtait quand on pouvait, quand on avait un point de sauvegarde, un truc comme ça. Précédemment dans à votre santé. Oh pardon, excusez-moi, je rentre comme un bonhomme. Où m'a-t-on? Ah bah j'aurais même pas bien fait, pas besoin de faire un previously, tu sais. Ils le font pour moi. Tant mieux, hein, ça m'arrange. Ouais, puis du coup nous, ça nous rappelle aussi, hein, parce que franchement plus de temps, on se rappelle pas forcément. Ouais, il y a des censures qui avaient débarqué sur l'île pendant des mois. En vrai, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à Resident Evil. J'en ai presque honte. Puis entre temps, on s'est refait un autre Resident Evil quand même, on a pas. Bah écoute, on essaye de rester à la page, hein, avec un petit peu de retard, parce que nous, on n'a pas forcément trop de moyens, contrairement aux gros youtubeurs. Mais bon. Mais la gamine a dit n'importe quoi. T'as envie de la regarder, t'as envie de le faire. Pourquoi tu mens? Je le joue, le personnage. Pourquoi tu mens? Elle est pas morte. Épisode 2, contemplation. Je sais pas ce qu'on va contempler, mais... L'observateur est le partageur de vie. Il s'accroche au vivant. Je l'aurais bien fait en allemand comme c'est écrit là, mais j'ai la flemme parce que je sens que là je vais pas avoir le bon accent. Je dis pas qu'il est tard, mais Der Betrachter. Non, ça fait der Betrachtende ist okay. In gewissem Sinne der Mittelbände. Et moi j'ai même pas eu le temps de finir. C'est bien pour les inventer notre garde, ah, j'avais oublié ce détail. Tu m'ajoutes comment et quand? J'aimerais bien pouvoir jouer. Ah oui, c'est vrai. Pardon, coop, ouais. Vas-y. Toujours en train de jouer. Voilà. Aïe! Putain, je vais pas juste à côté comme ça. Non, tu vas crever, t'es gentil. Moi, je compte pas mourir aujourd'hui. Hein. Non, j'avais zappé ce détail. j'avais oublié les zombies. Hein? Hein? Et pourquoi j'ai l'impression qu'on a encore fait une connerie? Parce qu'on peut pas sauter. Hein? Oh! Casse-toi, s'il te plaît! Ah, mais t'as race à toi! Voilà! Oh merde. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Non. Non, c'est pas le bon côté. C'est l'autre côté. Ah oh, mais merde. Mais il me casse les dents. Il veut quoi, Cassos? Ah oui, je me rappelle des... Mais j'ai l'impression que... Qu'on est revenu en arrière, non? Bah clairement, ouais. Non mais par contre faut se grouiller. Non. Casse-toi s'il te plaît. En plus il y a... Oui, je sais, je suis en hémorragie, hein, tant pis. Qu'est-ce que je te dise?
Retourne au bâtiment d'où tu viens. C'est sur le côté. Non, non, c'est là. Bah oui, bah c'est sur le côté, le bâtiment d'où on vient, mais juste au-dessus. Claire, par ici. Oui, j'arrive, je me soignerai quand je serai en haut. Bon, tu y es, capitaine. Suivez-moi. Tout à l'heure, je me suis soigné sans vouloir, en fait, sans faire exprès. Non, bah c'est R1. Oui, bah je savais plus que c'était R1 pour me soigner, alors. Ah, c'est comment que t'avais ? J'ai appuyé sur X. Ouais, ok, bon. Faut descendre. Je vais faire le tour pour ouvrir la porte. Tenez bon. C'est vrai que c'est croix, je me suis... Oh, non, on peut pas sauter. Ouais. Mais non. Mais ouais, c'est tranquille. Ah ouais, j'ai quand même une boîte de baseball. Ah non, c'est un truc en métal là, un pied de biche. Ah oui, on s'est arrêté là, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode précédent. Rappelle-toi, on avait poussé le rocher et on s'est arrêté ici. Il a l'habitude du danger. Il va s'en sortir. Non, on l'avait poussé. Donne-moi un coup de main. Regarde, il l'avait soulevé et puis on était passé en dessous. Rappelle-toi. Prête. Et je crois qu'on s'était arrêté là dans l'épisode précédent. À toi. Non, parce que j'aime bien le style de Moyuru. Voilà, on s'était arrêté ici. Voilà, donc du coup, on se remet dans le truc. C'est bon, on est au bon endroit, tout va bien. Oh, il m'a fait peur, lui. Heureuse que tu sois vivant. J'ai trouvé une carte de la ville, cool. Ouais, mais je cours vite. Je vais à la salle de sport. Alors cool, ta vie, tu es un biscuit. Quoi, ce monstre ? C'était Pedro. La sentinelle nous a injecté une sorte de virus. Le virus s'est activé quand Pedro a eu trop peur. J'en ai entendu parler, oui. Ah, en gros, faut pas avoir d'émotions trop fortes ou trop... On est supposé éliminer les virus. Pour pas que le virus... Pas les attraper. Chienne d'ironie. Moira, je te présente Neil. C'est notre boss. Neil Fisher. Neil comme... Tu es la fille de Barry Burton, pas vrai ? Ton père travaille pour le BSA. Monsieur, faites-moi une faveur. Évitez de mentionner mon père. Ça me fait penser à ta vieille blague du genre « Vous êtes tous là », comme Nelson. Ouais, non, c'est tout le monde est là. Ouais, si tu veux. Attends, j'essaie de me rappeler comment... Moi, je peux Ouais, vas-y, tape dedans. Voilà. Sac dedans. Voilà. Oublie pas que t'as la capacité avec Moira, voilà, de repérer les objets au sol. Faut que tu les pointes en fait avec ta lampe, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Bah oui. Salut les boss. Oh. Pedro a dit que le signal venait d'en haut. Ça doit être là. Oh bah Pedro, tu sais, on l'a perdu là. Pedro, j'ai dit. La sentinelle est peut-être à l'intérieur. Allons voir. Ah, mauvaise idée. Pourquoi ? On devrait attendre l'aube. On risque tous de finir comme Pedro si on attend jusque-là. L'heure tourne, Neil. Bah Pedro était juste un faible. Alexandrie. T'as regardé, t'as une caisse là. T'es où ? Moi, je pars de l'autre côté, je sais pas où t'es, mais... Bah, je suis derrière. Non, bah, c'est bon, laisse. Oh, bah, débrouille-toi, là. Bah, non, mais... M'interromps plus. Mais non, mais tu partais de l'autre côté, bah, du coup, je me suis dit, voilà. Va te taper dedans, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Des cochons zombies. Ah. C'est des cochons ? Ah, c'est du halouf. Comment s'appelle le cochon dans le film là ? Quel film ? Le film avec les animaux qui parlent. Babe. Ouais, c'est Babe. Ah ! Ils me font peur quand ils se retrouvent comme ça, c'est con. Ah, je lui ai mis une balle dans le cul, je peux te dire qu'il l'a senti celle-là. Tu lui as fait un deuxième trou du cul. Ah, laisse tomber, si je peux, je claque un ralenti. Ah, non, on peut pas passer par là. Mais si. Pourquoi, mais si ? Bah, avec un coup de pied de biche. C'est toi qui as le pied de biche ? Mais si, il y a un coup de boue. Ah! Il y a un cochon là! Où ça? Ah ouais! Voilà! Allez, vas-y! Fais le boulot! Exactement! Oh, comment il m'a. Il m'a rentré dedans lui! Il est sérieux?
Tiens, mets un coup de pied de biche là-dedans. Oh, des munitions de fusil à pompe. Je crois que je vais t'aimer toute ma vie, hein. C'est pas possible. Ouais, enfin, surtout mon pied de biche, quoi. Oh là, ils sont de retour. C'est sûrement les habitants de l'île. Oh, je t'éblouis ça, là. Pourquoi la sentinelle a transformé l'île? Je sais pas. Si c'est bien. Coucou. Ouais, donc lui, il doit y avoir une suite avec lui parce qu'il crève pas. Ouais, ils vont nous attendre. Tu sais, tu les repères, les gens comme ça, tu les sens, tu sais. Ah, il y a un petit objet là. Faudrait que tu éclaires et que tu ailles chercher le truc. Là. Ah oui. Tu l'as vu. Ah ah. C'est pas ça. Non, rien. Tu veux, en fait, je te fais la courte échelle, ouais. Dépêche! Puis lui après il va faire, tu vois, il fait le gentleman et après il va faire genre, il est ultra musclé, il va montrer qu'il est à la salle, tu sais, puis il va sauter d'un coup, il va taper le shell. Tiens, j'avais dit quoi? Je vais vous rattraper. Allez à la tour. Oh, il fait genre, il va nous sauver et tout. Genre. Allez, bon, essayez de m'attraper. Il est trop malade, il va se faire buter en vrai. Ok, ouais, si, il a pris un chemin. On y va? En vrai, tu vas me dire que depuis le début de l'aventure, le collant de Moira, il a toujours pas craqué alors qu'elle se frotte par terre et je veux savoir quel est son collant. Attends. C'est un putain de collant magique. Ah, il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est vraiment parce qu'on entend, c'est les zombies. Inventaire plein. Prends quelque chose peut-être si tu peux, toi. Mmh. Regarde, là dans le... Par contre, reste abaissé, on sait jamais. C'est du tissu pour se soigner. Ouais, ouais, non, mais c'est très bien, hein, je dis pas. Donc, répute, c'est qu'on retombe sur Pedro. Oh, bah ça va, hein, j'ai ma dose de guérison. Sachant qu'il est pas mort. Ouais, il y a toutes les chances qu'on le recroise. Oh, bah, je cours pour ma vie et je te risque de buter. Ah, parce que tu penses que je vais le buter tout seul. Mais on dirait un speaker qui parle. Non, non, c'est une radio, c'est une radio. Mais moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des grognements de zombies. Bah, c'est normal, il y en a là qui viennent de pondre du sang. De pondre du sang. De prendre vie. Je me rappelle de lui. Non, mais non, toujours pas. Hein. Ah. Tu te rappelles, ils étaient dans le sanatorium. Le sanatorium au début. Ah. Aïe. Bip. Est-ce que tu comptes crever? Oui, je crois. Au cas où. Attends. Il y en a encore un ou? Oui, il y en a encore un. C'est quoi? C'est un gros? Non, c'est un tocard. T'es sérieux, toi? Ah. Eh, je te défonce, moi. Il y a quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Non, reste au sol. Reste au sol, je te dis. Oh, c'est bon, je peux plus les bleus. Ouais. Tiens, il y a un truc là. T'as une arme. Oh, je la veux. Je la veux. T'as des rubis. Je sais pas. Comment on fait pour l'avoir ? C'est un meilleur pompe que le mien. Ça fait genre, tu sais, ça fait genre un petit space 12, un truc comme ça. Le genre d'arme fusil à pompe, c'est automatique. Je le veux. Comme ça, ça vaut super. On est le même réflexe. Ouais. Mais en plus, il parle en russe. Je comprends rien. Ça m'énerve. On est peut-être oui. Russe, du coup. Oui. À moi le fusil à pompe. Oh, ça va être jouissif. Un automatique. Oh. Oh oui, tape 114, c'est pas grave, space 12, tape 114. Oh, c'est un... Oh oui, 5 coups, c'est parfait. Bon, allez, on continue. Mm-hmm. Oh, le truc, ça va être super bruyant, ça va être... Ils sont là, prudence. Ok, donc abaisse-toi. D'accord.
Il y a une caisse là-bas. Je pars d'une prouille d'eau, je commence à faire du bruit en tapant avec ma... Attends. Est-ce que je peux... Attends, ouais, non, mais je vais voir si je peux pas me défausser de quelque chose, parce que... bouteille vide avec l'alcool, normalement, ça me fait un... Un cocktail Molotov. Voilà. Produit chimique odorant à combiner avec une bouteille vide pour créer... Non, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises, c'est un gros en plus. Justement, je voulais l'éblouir avec ma lampe torche, j'ai mis un eau. Ah, quoique... Justement, je faisais pas de bêtises, je voulais l'éblouir avec ma lampe torche pour cramer. J'ai vu que c'est un gros. Ben oui, c'est le gros de tout à l'heure. Après, je me dis, il voit pas. Si on passe discretos, ça peut le faire. Il y en a un autre là-bas. Ah ouais, on est vraiment... Ok. Non, on est envahi. Ok, de toute façon, destiné... Ok, bon, ils nous ont repérés. Il y a deux gros. L'autre, il fait le tour, tu feras gaffe. Oui. Tu ne m'as pas vu. Ah bah si, tu l'as vu. J'ai prié pour qu'il ne m'ait pas vu, mais... Il est sérieux? Ah ouais, lui, il est vraiment gros. Ok. T'abandonnes? T'abandonnes? Bon, faut vraiment que je retrouve des cartouches. Ah, ça me fait. Donc il y a de tout. Ok. Pourquoi moi je peux pas? Comment tu fais? Moi je peux pas. C'est parce que toi qui peux. C'est parce que ton personnage il est trop faible. Ouais. Ah, t'as vu sur quelle touche toi pour le faire? En fait, je m'approche de la caisse et il me propose directement le joystick de gauche. Ah, bah si, je peux le faire aussi. En fait, c'était juste que j'étais sûrement mal placé. Regarde s'il n'y a pas des petits objets par-ci par-là que tu peux éclairer à la lumière. Parce qu'en vrai, tout est bon à prendre là, surtout au niveau des munitions. C'est vrai que je dirais pas que je gâche parce que je loupe pas beaucoup de coups, mais. C'est la fille! La fille? La gamine qui a dit que Moira était morte. Elle a un bracelet. Ce qui veut dire que normalement, on devrait pas être loin du père de Moira. Ouais. Si la sentinelle essaie de faire peur aux enfants, c'est complètement foireux. Il y a un petit trou de souris là, donc elle a dû passer là-dedans. Ouais. Il faut qu'on fasse le tour. Va pas trop vite. T'es pressé de voir la petite, hein? D'accord. Cool. Ok, donc faut descendre. J'ai vu ton reflet. Non? Bah non, c'était même pas toi. C'est pas là, hein? Bah t'es où? Tout droit, là. Ah, j'avais pas vu. Bah si t'as pas vu mon reflet, c'était quelqu'un d'autre. Ça devait être le reflet de la gamine. Ça pue. Il sort. Oh! Ça fait genre les boomers, tu sais, dans les 4 Dead. Oui. Genre les gros là qui t'attendent pour un. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui brille là-bas. Des munitions du pistolet mitrailleur. Oh non, pas lui! Oh non, 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 non. Ok. Sérieusement? Il t'a même pas vu?
Ouais, mais s'il faut que je claque 30 balles à chaque fois pour... Pour un trou du cul comme lui, je vais jamais y arriver. C'est quoi? C'est grave glauque. Je peux pas te dire, j'ai pas de flash. Là, sous le lavabo, ouais. Ah, bien, de l'herbe médicinale. Il y a des opérations qu'ils font ici, là, chirurgicales, c'est bien chelou. Ouh. Ok. Là-bas. Calme ta joie. T'as cru quoi? Le gars il s'excite comme si c'était la Gay Pride. C'est cool, le faut rapport. Se calmer hein. T'es où? Je suis là. Ah. Ouais non mais là par contre niveau des balles ça va vraiment pas le faire. Je vais pas m'en sortir. Ouais, munitions de pistolet, c'est cool, mais... Oh, résultat des expériences d'essai. Le 9 novembre 2009, le dernier essai nous a rapproché encore davantage du véritable test. Cette fois, 11 candidats ont été équipés de bracelets munis de capteurs, puis soumis à un stress émotionnel extrême pendant différentes durées. Résultat, 3 sont morts immédiatement. Les 8 autres ont fini par muter et ont été éliminés. À la fin du test, aucun des sujets n'avait surmonté sa peur. En fait, le but du truc, c'est de surmonter sa peur. Et si tu surmontes pas sa peur, tu te fais... Ouais, le truc, en gros, c'est Fear Factor, quoi. C'est... J'ai trop de l'alcool. Ah, tiens, je vais avoir besoin de toi pour le crochetage. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Mais là, le crochetage, là, la caisse. Non, attends. Non, tu peux pas casser. Non, il y a un truc qui brille. Ah, munitions de pistolet. Pas mal, pas mal. C'est bon. Eh hey, mais en vrai t'as... Mais... Bah je peux pas. Si si, faut que tu restes appuyé dessus. Ça va, si t'es en train de le faire. T'avais une barre de chargement dessus, vas-y. Il y a un truc non, que t'as fait. Pas. Si si, il y a un truc que t'as fait. C'est mais non, c'est des trucs pour lancer. Ah merde. Non mais en vrai... Eh, en vrai... Oui. Une petite main, c'est pas moi, c'est la petite, hein, c'est la gamine qui pouvait crocheter les trucs. Leur explosive, bombe artisanale, cause une explosion intense qui inflige de grands dégâts, attire les ennemis, puis... Ah, c'est cool ça. Eh, mais en vrai, t'as plein de cartouches pour moi. Hein. Tu peux pas les prendre Si, si, je suis en train de les prendre. Justement. Je vais te donner une bombe artisanale. Bon, bah, sais, tu peux me crafter des trucs, je ne sais absolument pas faire, je ne sais même pas comment on a accès à le... Comme ça, le pavé numérique. Enfin, le pad. Du coup, je t'ai donné, t'as des bombes artisanales, t'as un cocktail Molotov et un leurre explosif. Va pas trop vite. Ni trop loin, surtout sans toi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, du coup, ça s'est crafté chez moi. Ouais, donc j'ai donc je te laisse tes herbes médicinales parce que t'en auras besoin aussi. Mm-hmm. Par contre, une boîte d'éléments, ça, la boîte d'éléments, non, il faut forcément un atelier pour le faire. Est-ce que je peux crafter le produit chimique odorant? Non, je peux pas. J'ai de la poudre à canon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai récupéré des balles. Mais c'est bizarre que tu puisses pas... C'était pas moi qui craftais, c'était la petite fille. Non, qui est, c'est pas crafté ça. Crocheté. Du coup, j'ai plus de balles, forcément. Ouais, oh ouais. Parce qu'il faut une petite main que je ne mets pas. Bah, ça me paraît bizarre. Tiens, vas-y, ramasse le tissu. C'est pas moi qui crochetais. Là, le tissu là, dans le tiroir. Ah. Il y a une manette à activer, ça pue du cul, mais violent. Oh bah attends, on fait le tour d'abord et après... Non, bah non, mais... Mais je t'ai dit, on fait le tour d'abord pour voir s'il n'y a pas de truc. Non, bah non, mais c'est bon en fait. Et t'as une porte ici. Recule. Ok. Attends, il y a une autre salle par là. Ah, mais c'est là d'où on vient. Non, c'est celle d'où tu viens, ouais. Bah, c'est quoi l'utilité de revenir d'où on vient? Parce qu'on a ouvert. Ok.
retourne là-bas et active la manette, s'il te plaît. On a un trop petit... y a un laps de temps, en fait. Ah. Vas-y. Voilà, et maintenant, tu fais vite. Vite. Il va falloir être rapide. Vite, 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 vite. Bah, oui, vite. Tu vois, c'est déjà refermé. C'est impossible. C'est absolument impossible. En plus, moi, je prends les murs quand je marche, alors... Si, il faut que tu cours. Tu l'as dit toi-même, t'as oui, retrouvé la touche. Oui, mais je prends les murs quand je cours. Ouais. Non, je peux pas. C'est trop court pour moi. Bah pourtant, ça a l'air possible, hein, puisque... Ah, peut-être si je passe dans une salle. Oh merde. Ah! Oh putain, la vache. Si vous recevez des fluides, vous pouvez être aveuglé. Lorsque votre vision est obstruée, vous avez plus de mal à vous combattre. Utilisez un désinfectant depuis l'écran des objets pour guérir d'une cécité. Si votre partenaire pousse un désinfectant, Ok. Super, formidable. Est-ce que j'ai du désinfectant? Et j'ai même pas accès à toi parce que tu es de l'autre côté. Je n'ai rien. Ah si, désinfectant. Comment je l'utilise? Ah bah non, j'ai pas besoin. Bon bah par contre, j'ai plus d'herbe médicinale. Mais Hey, je suis tombé! Oh le con, j'avais pas vu le trou. Bon bah faut que je remonte, attends. Hey! Hey! J'ai cru que j'étais dead sur le coup. Mais attends. Je veux pas le faire à ma place là, parce que ça me saoule en fait. Non mais attends, parce que déjà je suis en train de remonter. Parce qu'en fait je suis tombé dans le trou. Vas-y, passe. Regarde, je t'ouvre. Je vais attendre que ça se referme et je vais le faire après. Oh les boules! T'as vu? Ah non! J'étais à ça d'y arriver, j'étais à deux doigts! Oui, d'accord, c'est carrément pas du tout. Deux fucking doigts! Je crois que ça va être l'instant comique de cette vidéo. Plutôt, j'y arriverai pas seul. Séparé de Claire. Ah. Tu vois, je suis séparé de toi. Oui. Chez. Ouf. Moi, je serais curieux de savoir quand est-ce qu'il va revenir à Nils. Ou Neil. Neil. Ouais, Neil, Nils. Ferme ta... Oh, ta camembert. Ferme ton sasset. Il y a un truc chelou, là. Un truc tout bleu. Il y a une porte. T'as réussi à passer? Bah merde. Ah, pour crafter. Enfin, pour améliorer les armes. Du coup... Ah, je vais peut-être améliorer le flingue parce qu'en vrai, plus de balles, plus de cadence, ce serait pas mal aussi. Yes. Je peux améliorer autre chose ou pas? Bah oui, je peux. Ah, attends. Ok, j'ai plus d'éléments. J'ai pris de la poudre comme... Du coup, je sais pas si ça compte comme point de sauvegarde. Ça va faire une petite demi-heure. Bah, on finit l'épisode. Où elle est partie? Ah. J'ai bien une réponse, mais elle sera pas très adaptée. Attends. Oh, des chiottes. Ah, il faut une perceuse. Une note. Mémo d'un citadin, écrit en russe. En russe.
Les choses ont tellement changé depuis qu'elle est arrivée. Zabitige est une île totalement différente maintenant. Il y a des nouveaux équipements dans les mines et des emplois. Elle n'emploie pas seulement des ouvriers, mais aussi des chercheurs. Il y a tellement d'opportunités de travail. Ma gratitude envers elle est sans fin. Malgré tout cela, certains doutent d'elle. Quelle bande d'ingrats. Si vous n'êtes pas content, vous êtes libre de partir. Ouais, c'est bien une île russe en fin de compte. Il y a encore un petit passage là, donc ça se trouve, elle est passée par là. Attends, parce que je viens d'appeler l'ascenseur. Parce que c'est le seul endroit. T'as ramassé des munitions. Qu'est-ce que je disais? Je suis à l'ascenseur. Et moi, pendant ce temps, là. Petite biche. Petite biche, ma biche. Ah non, c'est celui que t'as vu tout à l'heure, ok. Bonsoir. Comme c'est cosy. Boîte de démon. Oh super, je vais pouvoir retourner crafter. Super. Toujours les mâles que je peux pas ouvrir. Mais je suis sûr qu'il y a un moyen, parce que tu avais déjà ouvert des mâles, pas avec la petite seulement. Si, si, qu'avec la petite j'ai ouvert des mâles, j'en suis sûr. Moi je revois Moira vraiment refaire quelque chose. Oh, rechargeur. Non, c'était que la petite qui peut ouvrir les trucs. Crocheter. Donc du coup, j'ai appelé l'ascenseur. Bon, on peut y aller. Hein. Écoute. Non. Quel étage ? Non. On monte. Tout simplement. Et comme je le sens pas, je reprévois. Parce que j'ai eu raison tout à l'heure. J'ai appelé l'ascenseur, deux zombies qui en sortent. J'étais en joue, c'était parfait. Ok. Tiens, une bouteille vide. Elle est là-bas. Une bouteille vide, tu vas pouvoir crafter. Non, bah, mais laisse tomber. Elle est partie là-bas. Bah oui, bah viens. C'est pas grave, de toute façon, on pourra pas la rattraper tout de suite. T'as une bouteille vide, tu vas pouvoir combiner des objets. Ok. Combiner, et tu vois, la poudre à canon, ça te fait une bombe. Bim. Bon, bah si j'ai bien compris, faut qu'on saute. Ouais. Tu sautes comment, toi? Comme ça. T'as juste couru. T'avances et tu fais croix. Voilà. Ah, oh, je suis sûr que j'aurais pu la rattraper. Viens là, petite conne. Tout va bien. Il est où, mon daron? Comment tu t'appelles? D'où tu viens, petite? Cette femme t'a emmenée ici? Où sont-tu? Hey, doucement, Claire. Laisse-moi faire. Tu dois avoir très peur. Dis que Moira était morte, hein? Je m'appelle Moira. Tu vois? On est comme des sœurs. Tout va bien se passer maintenant. Il y a un numéro sur les bracelets. Comment elle s'appelle? Morty. Vous êtes toutes les deux très courageuses. T'es douée avec les gosses. C'est normal, j'en ai une qui sort de l'enfance. D'accord. Elle est quoi, ado? Ouais. Sort de l'adolescence. Je suis pas sûr, ado ça me paraît grand. Est-ce qu'on peut changer de personnage? Vigilance de tous ces. Je n'en ai aucune idée. Tu es très courageuse. C'est bientôt fini. Tiens, t'as. Écoute, des tissus là. Il y a une méchante femme dans la tour là-bas. Une fois qu'elle aura disparu, on pourra tous quitter cette île. Encore un truc pour crafter? Il y a un truc à briller là. Bien, pas mal. T'as un truc là sous le bureau derrière toi. Je suis devant. Tu vois, ça brille. Munition pistolet. Ah. Moira, ouais, tu as entendu? Pue. J'espère que c'est pas, ouais, Pedro. Encore une de ces putains de saloperies. Désolée, je voulais dire une de ces fichues. Une bouteille vide là-haut. Et vous savez ce qu'on leur fait? C'est quoi alors que j'ai? Tu me coupes que je suis en train de chercher des trucs. Pardon. Non mais là t'as une bouteille vide. Je vais récupérer les munitions que t'as pris. Voilà, comme ça, toi, avec la bouteille que t'as ramassée, tu vas pouvoir crafter. Tu peux crafter, hein. Elle s'appelle Claire. Non, c'est moi, Claire, je suis con. Comment ça? J'ai oublié, c'est pas grave. Bon. Je peux pas crafter, j'ai plus rien à crafter. Si? Non.
Ah bah non, bah il te faudra soit de l'alcool ou des trucs comme ça. On y va ? Ouais. Bon, de toute façon, comme d'hab, je passe devant, c'est moi qui ai les armes. Oh là là, comment tu te la fais ? Il y a un pot de sauvegarde. Chut, il y a quelque chose en bas. Pourquoi descendre en même temps alors que... Oh là là. Je suis sûr que c'est Pedro. Oh non, mais il y en a plein ! Bouge pas, attends que je te fasse signe. Ok, bon. 1, 2. Ah putain, en plus il doit aller tout seul là. Mais non. Mais non. Vas-y, éclaire-le. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, ta bouche. Ils sont trop cons les zombies. Pourquoi ? Il était là face au coin et il mettait des coups dans le coin. Mais non, mais c'est obligé, il y a Pedro qui va arriver. Vu le bordel qu'il fout, c'est obligé que c'est lui. Oh, je peux grimper. Je pensais ouvrir des tiroirs, mais non, je grimpe. Mais non, mais c'est obligé, c'est Pedro ça. Tiens, j'avais dit quoi ? J'avais dit quoi ? Pardon. Ah, c'est même pas... Ceci est différent. C'est même pas Pedro. Non, non. Oh, t'es... Il veut quoi, lui ? Aïe ! Ok, ça lui fait rien. Casse-toi, toi, connard ! Il envoie des boules de feu, ma gueule. Vas-y, toi, dégage. Mais il veut quoi, lui ? Non ? Ah ! Ah ! Il y en a derrière moi. J'ai pas d'herbe médicinale, je suis dans la merde. En vrai ? Je vais crever. Ouais. Ok, on court. Je vais te piquer une herbe médicinale. Oh, il y en a une là. Bah, oh, il y en a une là. Je peux même pas te la donner. Non, mais il y en a une là. Pas de place. Non, il y en a une là. Oh merde. Il est sérieux lui ? Hey ! Il peut monter ? Mais attends, du coup, j'en ai perdu une. Non, c'est bon, tu me les as données. Eh, il peut courir aussi ? Oui ! Oh, check ! Je crois que c'est bon. Aïe, bah check tout seul, hein, parce que c'est toi qui l'as. Récupérons la môme. On s'en fout, c'est pas grave. Bah non, bah attends. Attends, il y a un truc là. Munitions de pistolet mitrailleur. En vrai, il fallait que je sois hyper près de lui. On est en pour sécurité. Tu peux trouver un chemin ? Mais en vrai, j'ai cru que c'était Pedro. Du coup, la gamine a vu qu'elle pouvait nous faire confiance. Nous sommes courageux. Nous allons les défoncer. Est-ce que tu penses qu'on part par cette porte-là ? Attends, je crois qu'il y a une caisse cassable. Fusil à pompe. Yes ! Je peux passer dans ce trou ? Bah, passe, hein, écoute. Tu veux que je te dise quoi ? Fais ta life. C'est pas que... Ouais, c'est pas que je te dirais de faire ta life, mais... Ah, mais du coup, elle va nous ouvrir à l'extérieur. Ah bah sûrement, du coup, ouais, c'est fermé de l'autre côté. Bah vas-y, passe. Tu m'as dégagé l'air de dire « Laisse-moi faire. » Je gère. T'as regardé partout ? Ouais. Y'a rien du tout ? J'ai rien vu. Ok. Il est mignon ton ourson, c'est ton ami ? Check ma couille. Lottie est une fille. Le gentil monsieur me l'a donné. Quel gentil monsieur ? Le père de Claire. Le monsieur non, de Moira. Il m'a sauvé quand j'étais toute petite. Ah, bon. Ah bah non. Le terrassé va plus être capturé. Mmh.
Oh là là. Oh, ça, s'il y a une cinématique comme ça, ça veut pas dire que ça pue. Hein. Ouais. Oh, juste, on est arrivé au pied de la tour. Ouais. Ça, c'est cool. Un hélico. Ouais, si, ça pue, en fait. Oh, oh mais non, il est avec nous, lui. Tu disais quoi? Non, 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 mais l'autre, il dit on va se barrer de cette putain d'île de merde. Bah non. Eh, s'il arrive à se poser, je le respecte. Il va se transformer. Ah, bien vu. En vrai, j'étais en train d'y penser, mais je me suis dit c'est peut-être trop hard. Eh, hey, il a des balls, hein! Parce qu'en vrai, je crois que même moi, je pourrais pas. Hein. Bah là, au moins, on est sûr qu'il deviendra pas comme Pedro. On était tellement absorbé par l'hélico que du coup, on avait plus de. À la rigueur, pour son bien, je préfère le savoir mort. Allez, saligo! Bordel de merde! Je viens de faire une supposition à Myst. En fait, je pense qu'on vient de faire un retour dans le passé. Et que, en fait, le moment qu'on vient de jouer, où Claire et Moira tombent sur la gamine, se passe avant que Barry arrive sur l'île et trouve la gamine. D'où le fait que la gamine dise à Barry que sa fille Moira... Qu'on se remémore justement le moment où ils sont au niveau de la radio, tout ça, et où Barry cherche Moira du coup, et qu'au final la gamine lui dit qu'elle est morte, machin. Après à voir, hein, pas sûr, mais ça me semble logique, ça me semble probable. Non, fallait pas me dire ça, ouais. Mais non. Moi, c'est ce qui m'est venu en tête. Non. Ah. Je dis pas que je me suis attaché à Moira, je m'en fous, elle est utile, mais elle est utile quand il faut, moi, quoi, c'est seulement. Pour Barry, en vrai, que ça me ferait grave de la peine, hein, parce que, je sais pas, en tant que parent, voir ton enfant mourir, enfin... Mais du coup, il le voit pas, mais enfin... Savoir ton enfant mort, tu sais pas dans quelles conditions, quoi. Après, c'est ça aussi, hein, qui nous reste à savoir. Si elle est vraiment morte... Et ou alors elle est morte, genre si elle a muté ou. Imagine, ou alors elle, a ou muté alors, elle était et en, elle était a en... été obligée de la tuer. Elle est, ou alors elle était en pleine mutation et pour éviter qu'elle souffre, bam, une petite balle dans le crâne en deux spi là, on n'en parle plus. Non, ça fout la haine, ça fout la haine. Ton hypothèse là me fout la haine parce qu'en vrai elle est carrément plausible et. Même fatigué, là, elle va sortir des trucs. Mais ça fait un gros, ça fait genre un gros alert spoiler, tu sais. Ouais. Pff, non, ouais, c'est. Mais pourtant, je sais pas du tout, je connais pas du tout la suite. C'est la première fois que j'y joue avec toi, donc. Non, mais là, tu m'as foutu le seum. Ouais. Ah, c'est pas grave. Bon, bah du coup, on a fini un autre épisode, hein. Enfin. Une sous-partie d'épisode, hein, parce que... Laissez pas, comme d'habitude... Enfin, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser vos avis en commentaire. Laissez des pouces bleus, c'est super important, nous kiffe. Juste pour cette danse-là, laissez un gros pouce bleu. Parce qu'en vrai, c'est pas tous les jours que vous verrez Sachi danser comme une gogole devant la caméra. Après, vous si... Ah si, on la voit faire des grands gestes et tout dans Resident Evil. Mais pas le révélation, du coup, le 7. Crier aussi. Ouais, c'est assez drôle. Mais enfin, bon. Et faire des bons. Donc, du coup, on va s'arrêter là, ouais. Parce que franchement... Ouais, pour maintenant, mais on va continuer très prochainement. Voilà. Parce que du coup, on veut savoir la suite et on veut savoir si j'ai raison ou pas. Ouais, et si t'as raison, je crois que je finirai le let's play frustré. Bref.
Bah, c'était la suite du Let's Play sur Resident Evil Révélation 2. C'était Sachi et Myst. À une prochaine. Ciao. Ciao. J'ai pas les yeux, je bande des mythos, j'ai les yeux roses. J'prends jamais critique de mecs d'humeur morose. J'suis sur LA, j'suis pas sur LA.